Bonjour YouTube, bienvenue sur une nouvelle VOD d'Outer Wild, DLC. On vient d'avoir de belles frayeurs, on va continuer notre exploration. On va retourner faire un somme. On va retourner faire un somme et explorer cette zone, quoi. Alors, le type, le Pégu qui est là, est-ce que c'est le mec qui manque dans la tour du cul? N'empêche qu'il dort pas là-bas. Donc il dort peut-être dans la boîte, puisque j'ai dit que ça se trouve, ce serait lui. Et pourquoi lui, il est là et pas les autres? Les autres sont morts, a priori. Et pourquoi lui serait pas mort? Mais en même temps, leurs flammes sont encore allumées, donc j'ai envie de supposer... On rappelle, pas d'indication, bien sûr, je vois des messages supprimés. Nos indications, nos suggestions que vous ne connaissiez ou connaissiez pas ou connaissiez. Il ne faut rien dire. C'est pas plus rapide de passer par le barrage, là. On va prendre... Oh, adieu, radeau, j'ai fait une connerie. Il va peut-être s'arrêter, en fait. Je sais pas si c'est plus rapide de prendre celui-là. Je pense pas. Zui, 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 zui. Oh non, il y a les rapides, je vais mourir. C'est bon. Hello, ou quel plaisir de te trouver en stream. Bonjour Castelliou. Merci pour ce 27e mois, merci beaucoup. J'ai pas pris le bon chemin, je crois. Si. Si, c'est bon. Aux ascenseurs, Luigi. Attention les carapaces, Luigi. Bon Dieu. Ok, bon là on dort en début de boucle, on a tout notre temps. Est-ce que je peux passer là? Yes.
Ok, Pégu. Le truc, c'est que quand même... Non mais j'ai pas fait apparaître le pont, c'est pour ça. Ah non, ce qu'on a entendu là, parce que j'ai eu la manette qui vibrait, c'est le... Le truc de lumière... Ce machin là, maintenant on sait que ça TP, hein, les espèces de grosses mains. Nous sachons, on n'est pas allé à droite. Si on est allé à droite, c'est ici je crois. Ça s'est ouvert. Non. Tu me fais quand même peur. Il avance pourtant pas très vite. Je sais pas ce qu'on cherche. Ok, je vais apparaître un truc. Dépêche-toi. Il y en a deux, non? C'est pas le même. Ok, la main est là. Il n'y a pas de main pour retourner. Merde, il y avait une main là-haut, c'est ça? Arrêtez. Ça fait peur. J'aime pas du tout. Vous semblez stressé. Mais je trouve qu'ils sont très stressants. En fait, on voit rien, tu vois. Ils font pas tellement peur en soi, mais ils me surprennent. Ils surprennent grave parce qu'on voit vraiment rien.
Bon, du coup, on a fait apparaître un pont, là. On a donc accès à cette zone. Salut. T'es gâté. Non mais c'est chiant. Le pont est invisible. Le pont est invisible. Ciao les nazes. C'est ça que je veux. C'était quoi ce bruit? Ah, c'était le barrage! Non, c'était le barrage. C'était que le barrage. Y a pas d'autre. J'ai pas de loupiote! Ah non, je peux passer là. Pas du tout. On entend l'eau qui arrive. Qu'est-ce qu'on fabrique là ? Ça, c'était bien fermé. Ah. Oh, c'est les épisodes non censurés. Épisode 1. C'est peut-être pas ce que je vous dis en fait.
Hello, hello, comment ça va par ici? J'ai remarqué depuis un moment que ton extension ne me prévenait plus quand tu sortais une nouvelle vidéo ou quand tu es en stream, c'est normal ou pas? Brioche kiss. Merci Sora Missia pour le réabonnement. Effectivement, elle marche plus. Et je suis incapable de la faire refonctionner. Merci beaucoup. Alors attendez, c'est pas du tout les épisodes non censurés. On n'est pas dans un rêve. On est dans une simulation. Rien à ce qu'il faut analyser, en plus il note rien dans le journal. Et c'est pour ça qu'il y a la lumière qui vacille. La machine de la simulation, elle est dans le coffre. En même temps, c'est pas l'image de l'épisode 1, ça. Regardez, c'est glitché. Donc c'est l'image. En fait, c'est une simulation de leur planète. Parce qu'ils sont tristes d'avoir quitté leur planète pour aller à l'œil. Alors que l'œil, ils se rendent compte que c'est de la merde. Parce que ça fait détruire. Et du coup, ils font une simulation de leur monde. Par contre, ça, c'est vraiment l'épisode 3 non censuré. Non. Bonjour Chanyu, merci beaucoup. Oui, c'est l'épisode 3 non censuré. Regarde, c'est ça. Ah, vous vous souvenez comme c'était bien là-bas? Oui, ça me manque. Pourquoi on est parti? Et regardez. La machine. Nous allons recréer. On va faire une simulation. Et on va dedans. C'est un peu triste aussi quand même. Pourquoi ils retournent pas sur leur monde? Leur vaisseau, là, c'était un aller simple, il n'y avait pas de retour. Si je fais ça... Ah merde. Ça, c'est
Ça, c'est ouf. Je peux quand même pas passer là. Hein. Y a quoi là? Il doit y avoir les autres. Les autres trucs non censurés. Moi, je veux aller là-haut. Oui, parce qu'en plus, ça avait été scanné. En plus, on aurait très bien pu découvrir ça par hasard. Oh, ça vous aurait fait péter un câble si j'avais posé la lanterne quelque part. Mais on a... Enfin, si, on a quand même appris ça. Mais on n'a pas appris ça. Pourquoi je ne peux pas aller là? Ah, c'est la fin de la boucle. Mais ça, le temps passe plus vite dans les rêves ou quoi? Enfin, c'est pas un rêve, c'est une simulation. Mais quand même que pour y aller, il faut pioncer, donc... Je peux peut-être l'ouvrir depuis... Peut-être que je peux l'ouvrir depuis l'autre truc. Quand même. Pas moyen, là. Ah, t'as pas vu Pic? Ouais, bah ouais, ouais, écoute. Ouais, nous sommes dans une simulation et pas dans un rêve à proprement parler. Je suis emmerdé par cette porte. Mais c'est trop bien, c'est trop bien. Vas-y, fin de la boucle là. C'est bon. On va aller en faire un autre. On va aller en faire un autre. Faut qu'on aille dans le trou. Par contre, oui, je comprends pas. On a quand même pas appris. On a appris cette histoire de simulation, là. Donc, on peut sortir de la lanterne et découvrir d'autres trucs. Mais le code... Il n'y a pas de code. Ah, il y a The Last of Us 1 qui sort sur PC. Oh non, je vais pas le refaire encore une fois. C'est bon, on l'a déjà fait deux fois. Je pense que c'est good. Après, c'est le moment où il va y avoir des mods, puisque le jeu est sur PC. Et ça... Archives interdites. Une bibliothèque pleine de carousels et de diapositives intactes cachées sous la terre en profondeur. On peut voir l'un des seaux du coffre sur un récipient, mais son contenu a été détruit. J'ai trouvé un carousel de diapositives montrant les habitants de l'étranger en train de se rassembler autour d'un étrange feu vert. Les réalités simulées ayant pour modèle leur planète d'origine. Voilà. Et on marchait au-delà du périmètre de projection. Peinture murale représentant un arbre imposant au rez-de-chaussée de la cabane. Joël tout nu. J'avais vraiment envie d'avoir Joël tout nu. Pas les mêmes priorités, ouais.
Mais ah, arrêtez. En plus, vous avez raison, mais ça me dégoûte aussi. Surtout dans le 1, quoi. Oh. Alors attendez. Problème. J'allais vous dire, on va explorer les autres zones, mais il faut se dépêcher parce que si on pionce là-bas, on n'a pas beaucoup de temps. Si je pionce, je vais aller pioncer dans la tour du cul, je pense que là-bas j'ai plus de temps. Parce qu'il y a le petit radeau pour visiter les autres zones. Il doit y avoir un radeau dans le canyon infini. Mais il était en contrebas et je sais... J'ai pas vu de passage pour y aller. Zwim, 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 zwim. Et ça veut dire qu'encore une fois, déjà qu'on va dans un espèce de monde simulé, il faudrait aussi visiter le monde simulé en mode on s'éloigne de la lanterne. En revanche, point positif, on y voit clair sans la lanterne. Ce qui est quand même particulier. Zwim, 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 zwim. Je vais encore avoir ça dans la tête pendant des semaines, là. Ah. Semaines dans la tête, 30 ans dans le cœur. Donc, welcome to the tour du Q. Ici, c'était le trou. Pourquoi on l'appelle la tour du Q? Est-ce qu'il y a besoin d'une raison? Oh, il y a quelqu'un là-haut, donc ça saoule un peu, parce que maintenant on sait ce que c'est. Et du coup, c'est pas la même personne. Du coup, en fait, il y en a plusieurs, parce que c'est des gens qui sont dans la simulation, et ils saoulent. Je sais pas où je vais, hein. On n'a jamais visité là, je vais me faire attaquer. Oh! Oh non, ce truc là, ça me réveille! Salut fan de jeu. Qui c'est qui saoule? Bah, il y a des gens dans des simulations, ils saoulent. Calmez-vous la musique là.
Ça, c'est un raccourci. Le problème, c'est qu'il faut éteindre tout là, non? Je sais pas comment je fais. Est-ce qu'il y a le dispositif? Oula. Ah non, lui aussi, il réveille! C'est pour ça qu'il faut éteindre. Je peux pas souffler à la bouche. What about ça? Il me détecte quand même? J'ai le sommeil lourd. Ils auraient pu mettre plus de loupiottes hein, dans leur simulation. Hein. Bon, en même temps, c'est des sortes de hibou. Et les hibou, ils voient bien dans le noir. Je monte. Je crois que leur planète d'origine, c'est à ça qu'elle ressemble. Hein. Elle doit être dans la nuit tout le temps. Fois le tour là. Mais... Attends, il y avait quoi en bas là quand c'était barré? Ah oui, en bas c'était. Bah c'est pareil, c'est un endroit où ça sonne. Et ça, je sais pas comment on fait pour y aller.
compliqué que ça. Bah, je ne sais pas. Peut-être qu'il faut que j'aille à l'autre. L'autre code. Peut-être que j'apprendrai. Parce que c'est là-bas que j'ai appris à poser ma torche. Peut-être que j'apprendrai autre chose. J'espère que j'aurai le temps parce que j'ai tourné en rond pendant un moment ici. En plus, faut tous retaper là parce que je suis. Quoique non. Dans ma tête, ça allait forcément que dans un sens, mais en fait, non. Je suis à côté. Quoique non, ça va dans les deux. Non, ça va que dans un sens. Le barrage vient de péter. Donc là, il y a bien un truc, hein, mais... Oh, je viens de comprendre un truc. Bon, on va être un peu penché. Je viens de comprendre un truc. Le cri qu'on entend, je crois que c'est des gens qui meurent. Enfin, des gens de la simulation qui meurent. Parce que du coup, dans la première zone, ceux qui pionçaient, bah pareil, leur flamme. Donc ils devaient être dans la simulation. Attendez, mais cette zone, c'est pas celle qu'on explore. Ouais, c'est pour refaire apparaître ça. Mais il est possible qu'en fait, on ait le bon timing, parce que si on se tape la première zone, avant le barrage, bah, je pense qu'on se fait choper. Alors que là, ils ont dû être effacés de la simulation, puisqu'il n'y a plus leur flamme. Puisque la première salle se fait avoir. Par contre, je fais un petit détour par ici, je ne sais pas où on est. C'est ça la quatrième zone. Mais là, on est à l'extérieur. Ah, mais même dans la simulation, ils l'ont emmené ailleurs, ce truc. Oui, mais il est plus là, ouais. Donc même s'ils étaient tous secs IRL, depuis un sacré temps, comme leur flamme s'était
s'éteint, il meurt. Bah, ils étaient encore dans la simulation. Mais maintenant, non. D'ailleurs, la tour du cul, elle tombe aussi à un moment donné. Mais c'est vraiment à la toute fin d'une boucle. Donc je sais pas s'il y a moyen d'avoir une information juste avant la fin. Nick ! Ok, première zone. Nick ! Juste pour faire réapparaître le radeau. Alors. Il fallait suivre des loupiottes. Et. Et marcher dans le feu. J'ai un peu oublié. S'arrêter ailleurs. Attends, est-ce que je comprends rien, je me souviens plus de cette zone. Je crois qu'on est bloqué, on est comme des cons. Parce qu'il fallait quand même y aller au début pour ouvrir cette porte. T'as pas une main pour me TP là? Merde, je crois qu'il faut venir ici au début pour ouvrir la porte. Aïe 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 aïe. Là, on n'a aucun code. Zéro. Moi qui ai un moyen de s'arrêter ailleurs là, mais j'ai peur que non. Il y a peut-être une main pour s'attraper quelque part. Attrapez-moi! Ce qu'on aurait dû faire, c'est prendre le radeau sans la lanterne pour voir ce qui se passe. Merde.
Va falloir que je remette une boucle, quoi. Attendez, je veux juste tester ça. Oh non, ça tombe encore? Et ça arrive effectivement pile à la fin d'une boucle. Bon, j'aurais pas pu tester mon idée. Ok, bon, alors. Nous allons dormir au premier truc. Ouvrir la porte. Faire des tests, tant qu'à faire. Mais il est probable qu'on doive attendre que le barrage s'effondre pour y retourner depuis le canyon. Ou depuis... Depuis la tour, finalement c'est faisable, mais vraiment, sinon c'est à la fin de la boucle. Salut Marco Dean. Une découverte. On est ravis. Ah. J'arrive à 17h42 si tout se passe bien. C'est très précis. Zwim, zwim, zwim. Oula. Oh! Excusez! Ok, ok. Est-ce que j'ai laissé mon radeau? Il est là. J'aurais dû regarder dans le journal de bord quand même. Comment on récupère ça, parce que je suis pas trop sûr. Il y avait des loupiottes à suivre. Des loupiottes à suivre et un feu à traverser. Ce qu'il faudrait faire d'abord, c'est ouvrir la porte. Quoi qu'il arrive, tu fais ça d'abord. Au cas où on n'ait pas le temps. Je reviens après avoir vu la vidéo de 10 minutes de gameplay de Zelda 2. Alors, c'est pas ça du tout.
on est bon, ça c'est ouvert. Breath of the Crafting. Est-ce qu'on voit des loupiottes ? Je ne vois pas de loupiote. Oh putain, je crois que j'étais tombé dans l'eau. J'aurais dû regarder le journal de bord. Oh. Un P. Dis donc. Tout va bien, regardez, on avance. Loupiote. Sauf que loupiote... Les loupiottes, elles vont vouloir me chasser. Ah, il y a une main pour ce TP. Ah d'accord, donc dès l'entrée, si on monte là, il y aura une main pour cette épée ici, pour aller plus vite. Salut! Salut, ça va? Franchement, je fais que passer parce que vous allez bientôt crever. Non, non, non! Je sais pas où il est. N'ayez pas peur. Où je suis là. Oh non, il m'a vu. Je fais le brain. Il va pas me... Oh, d'accord. Oh, mais voilà, c'est arrivé. Je me suis préparé mentalement. Bon. Tant que... Je pense qu'on peut se barrer.
On a découvert le raccourci. On a ouvert la porte. Je pense qu'on peut se barrer. On va aller dormir à la tour du cul. Finalement, ça gêne pas tellement de dormir là-bas. La tour, elle s'effondre vraiment à la fin de la boucle. Notre endroit favori. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'avait appelé la tour du cul. Parce que pour entrer dans la salle secrète, fallait passer à droite. Dans le cul de la tour, on avait dit. C'est pourtant très logique, hein. Alors, la bonne vieille tour du fiac. Le meilleur endroit pour faire un somme. Bon, j'espère qu'on va apprendre un truc parce que... On commence à être un peu dans l'impasse. J'espère que j'ai la bonne idée, là. Du coup, retourner dans la première zone. Re pour de bon, je crois, l'administratif, quel plaisir. Bah écoute, si t'as pas vu, on est allé dans la première zone de simulation. On a ouvert une porte, on a activé un raccourci. Maintenant, j'attends que le barrage cède pour que les gens qui sont dans la simulation de la première zone crèvent. Voilà. Et ainsi, on pourra explorer là-bas tranquillement, parce que leurs flammes seront éteintes. Et a priori, bah, on cherche un feu à traverser. Voilà, voilà où on en est. Pour l'instant, j'ai aucune certitude que ça va marcher. Hein. Et j'ai fait mon dodo à la tour du cul, parce que c'est notre endroit préféré du monde. Même si la tour s'effondre, elle s'effondre à la fin d'une boucle, donc au pire, je crois qu'on s'en fiche. Ah, j'avais dit que j'ai... Faut que j'essaye absolument une fois de poser la lanterne, là, et de monter sur le radeau. Et de voir tout le monde en simulation. Y a pas eu d'indication du chat? Je crois pas. Non, je crois pas. Ça, on a vu du coup la dernière fois. Comme quoi, même dans la simulation, le coffre, ils l'ont foutu ailleurs. Le barrage cède. On est parfait niveau timing. Et on va entendre leurs cris de souffrance et d'agonie parce qu'ils vont disparaître. Et voilà. Tout est sous contrôle. La tour du cul qui tangue. Mais nous avons ouvert la porte. Et je coco le raccourci. C'est par ici. C'est par là. On a allumé là-bas la bougie. Et hop là!
Normalement, je pense qu'on peut explorer ici tranquille parce qu'il n'y aura plus personne. Objectif, rentrer dans la maison. On n'entend plus personne chanter là, leur chanson creepy. Et voilà, il n'y a plus personne là. Salut Samantha. Zwim, 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 zwim. Je vais quand même faire ça pour peut-être voir plus clair. Ou pas. Voilà. Donc il y a un passage à gauche. Droite, il n'y a pas moyen d'aller dans ces maisons-là. Peut-être qu'elles servent à rien. Ça doit être un raccourci, ça. Parce que ça va s'ouvrir. J'espère que j'ai pas fait une boulette. Ça jouait pépouze, là, apparemment. Aïe, 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 y'a rien. Merde. Non, là, le plan était trop bien, là. Pourquoi ça marche plus? Il faut éteindre les bougies. Là. On peut voir. Putain, je vois rien. Lâche l'artefact. Absolument rien du tout. Je me suis fait avoir, il fallait quand même faire quelque chose avec Pégu avant qu'il meure. J'ai l'impression que le timing était quand même vachement bien pour que ce soit ce qu'il faille faire. Là-bas que je veux aller, moi. Là-bas, il y a un pont. Il y a un pont là.
Il doit y avoir un point invisible. C'est pour ça que j'aurais peut-être pas dû les tuer tout de suite. C'est qu'il y avait moyen... Il y avait une histoire de suivre des loupiottes. Fallait sûrement voir par où ils passaient. On est déjà à la fin là. Putain, je comprends rien. Ok, bon. On va donc mieux analyser parce qu'apparemment. Ça suffit pas, mon histoire. Fallait peut-être les observer. Je pense qu'il y a un pont invisible. Mais je peux pas tester au pif, quoi. D'où l'histoire de suivre les lanternes, là, les loupiottes. Et ça, je peux le faire dès le début, quoi. Au moins c'est au début. On connaît, hein, ce passage. Zwim, 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 zwim. J'ai faim. Je sais pas si le raccourci fonctionne, si on n'a pas allumé la bougie. Je pense pas. Ah si. Si. J'aurais dû ouvrir la porte, mais bon.
Je vais quand même ouvrir la porte, parce que si ça se trouve, on aura quand même le temps de le faire, cette histoire. Bonjour Rediana. Tout va bien? Si vous arrivez en plein milieu, là, on a fait de nombreuses découvertes. Hein. Ok. Donc... On les voit très très bien comme ça. Okay. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que c'est là le pont. Pas un pont invisible. Si je le suis, lui, de loin, là, il y va pas. Pas du tout, il fait juste sa ronde. Il y en a d'autres là-bas. Ah ! Oh my god ! Nous avons trouvé. Ça passe sous l'eau. Oups. Bonjour. Bon, très bien. Ah, il m'a bu... Oh, j'avais pas la lanterne, là. Il m'a tué.
J'avais pas la lanterne. Pas de bougie à souffler. Saute! Je vais lui souffler sa bougie dans le dortoir, voilà. Bon, bah voilà, on va pouvoir y aller cette fois. Il manquait une information, il manquait le tunnel, pardon. Il manquait Bello Tunnello. C'est pour toi, YouTube, hein, que je fais des boucles supplémentaires, parce que je me suis dit, non mais là, si on s'arrête, YouTube, c'est la folie, quoi. C'est pire que Paris, c'est pas les poubelles par terre et... Oh là. Je sais pas pourquoi j'ai sauté, en vérité. Oh là là. C'est pour toi, YouTube, là, hein, que ça continue. C'est pas pour nous, hein. Nous, on redémarre après, là. De toute façon, YouTube, t'es au courant que tout est déjà sur Twitch. Si t'as envie de regarder, il y a tout sur Twitch. Alors, certes, il y a moins de pubs, et puis quand il y en a, elles vont même pas dans ma poche, je crois. Donc, bon. Mais quand même. Il y a moins de pubs. Bref, tout ça pour dire que je gagne moins d'argent en regardant les VOD sur Twitch. C'est vrai, c'est la vérité. Bon. Qu'est-ce que j'ai que je vous dise? J'arrête quand je veux. C'est vrai, ça. Coucou, Nanette! Comme Isaac, moi, j'arrête quand je veux. Bonjour Doudoux, bienvenue. Et merci beaucoup Nanette. Hein. Salut Ziasaniad. Bon, on a fait beaucoup, beaucoup d'allers-retours là. J'espère que c'est la bonne. J'ai bien ouvert la porte. J'ai ouvert la porte, hein. Y a intérêt. Ça sonnait comment, la musique des Nomailles? C'était souvent très mélancolique parce qu'on tombait sur leurs cadavres. Mais j'ai pas trop de souvenirs de la mélodie. Salut Zephyr, petit coucou avant de repartir en rediff, j'ai eu une extraction dentaire. Je suis hyper pas bien car je suis Je me suis fait charcuter par le dentiste, elle a cassé un morceau d'os en tirant comme... Mais what?
Oh, j'espère que ça va s'arranger, Zephyr, là. Trop chiant, quoi. Je savais même pas que c'était possible. Ah, c'est horrible, les dents. Alors, nous cherchons un tunnel. Ils ont rebouché le trou avant de crever ou quoi? Secours. Il est là. Ça va encore se fermer cette histoire. Non ? Non, ça se ferme plus maintenant. Alors, on est tous morts ? Alors ? Bon, et du coup, ce feu est un faux feu. Alors, les nulos ? Aïe ! J'arrête pas de me taper. De retour dans la salle des archives. Enfin, je crois que c'est encore la salle des archives, oui. What a surprise. De nouveau brûlé. Cherchons le film interdit. Oh. Bon, ça fut facile. Épisode 1. L'épisode 1 non censuré. Et... encore une nouveauté...
Bah, ça ressemble un peu à ce que je voulais tester. Apparemment, entre les zones, il y a un temps de chargement. Et si tu sautes à ce moment-là, eh ben, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas. Soit il faut y aller sans la lanterne. Pour voilà. Merci Doudoux, merci beaucoup. T'as pris 6 mois en avance, merci énormément. Effectivement, si vous prenez plusieurs mois en avance, vous avez une petite réduc. Merci beaucoup. Si vous savez que vous allez rester sur cette chaîne, effectivement, c'est le meilleur moyen. Hein. Alors, épisode 1, non censuré. L'œil envoie son signal, il est capté. OMG, c'est incroyable, venez voir. L'œil. C'est ça qui était censuré. Voilà pourquoi ils peuvent pas rentrer. Ils ont foutu en l'air leur monde pour créer ce vaisseau qui va à l'œil. Et tu m'étonnes, du coup ils sont deg, ils arrivent là-bas, ils analysent, et en fait c'est pas aussi bien que ce qu'ils pensaient. En fait ça signale surtout la fin d'un univers, tout ça. Et du coup ils sont un peu deg. Oh, ça m'a fait peur. Merci Nanette qui a offert un sub à Mewin. Merci beaucoup. Ils sont choqués, déçus. Et en fait, leur monde, bon là on le voit plus. Leur monde, c'est pas la planète avec l'anneau, c'est une lune qui a autour. Donc il y a peut-être, vu à quoi ressemblent les mondes ici. Il n'y a pas énormément de ressources. C'est des petits mondes. Zwim, 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 zwim. Mais ça rend leur histoire encore plus triste, quoi. Ils ont tout claqué pour aller voir l'œil de l'univers. Et ils se rendent compte que c'est pas du tout ce à quoi ils pensaient, et ils peuvent pas retourner chez eux, ils font une espèce de petite simulation toute glitchée, là. Parce que c'est full pété. J'allais faire une blague, mais vraiment horrible. Oh, je pense que tu peux faire, hein. Donc maintenant, faut qu'on essaye de prendre le radeau et de sauter pendant le temps de chargement de la simulation.
Il doit pas rester masse de temps en plus, hein. Oh, mais c'est chiant là parce que. Allez, dites-moi que j'ai le temps de juste faire ça. En fait, c'est comme un date Tinder. Ça aurait tout claqué dans le resto, payé l'addition, et quand il raccompagne son date, bah vlan le râteau. C'est très précis, c'est trop précis pour que tu n'aies pas déjà vécu ça, Strog. Où suis-je? Merci Doudoux, merci énormément. On est à la croisée des chemins. Et merde! Non! Bon YouTube, des bisous. On a quand même eu des infos, il va falloir explorer cette zone entre les mondes. Voir si on apprend d'autres choses là-bas. Et puis voilà. À bientôt, bonne fin du monde à toi.